Yop. Ok, parfait. Tout est bon. Bon, du coup, go finir le DLC que j'ai pas pu finir hier soir. Normalement, ça devrait aller un peu mieux. Je sais pas du coup ça va me remettre, je sais pas si ça me remet dans la cabane où j'étais hier soir ou si ça me remet ailleurs. Ok, bon ça me remet là, c'est parfait. Ok, bon du coup cette fois on voit clair. Ok, il y a un mec qui est parti là. Manger, je vais pas le dans la tête quoi. Je vais être généreux, mais là. Par contre, les putains de fioles, je sais pas où elles sont. Le mec que j'ai tué. Parfait. Je sais pas où elles sont, moi, les fioles. Bah oui, tout est mort, c'est vrai. J'ai pas tout dit, c'est un peu triste. T'es mort. Ah non, pourquoi vous arrêtez la musique? Pour la recommencer. Ah mais c'est vrai que je suis trop content, ça sert à rien de cacher. Ça sert à rien de me cacher, il me voit à travers les... Il y en a encore, ouais, je vais tuer. C'est encore hein. Voilà la musique qui dure 40 secondes. Ça m'a volé mon parachute. C'était vraiment bon. Non plus. Ah bah elle était là la fiole. Boîte là que j'ai pas vu hier. Un fusil de police. C'est gentil de nous donner une arme. C'est gentil, c'est gentil.
maintenant. L'instinct surhumain. Alors, faut aller faire l'essence. Prenez les fioles. Là, j'ai fait ça, et là, il monte un truc juste là. 16 mètres. 16 mètres dans cette direction. Ouais, la zone. Mais il y a que dalle. Parce que je l'ai pas vu le truc. Crane, tu m'entends? Les fioles ont disparu, j'en ai récupéré une poignée seulement. Et les hommes de Raïs arrivent, tu m'entends? Crane, dépêche-toi, vite! Allô? Merde, faut pas traîner. C'est ça qu'on va faire. Un petit tour dans le sac. Ok, my bad. Non, j'en avais vu qu'une, et en fait, les autres étaient cachées dans le fond, my bad total. J'ai été aveugle. Je dois aller où, moi? C'est pas sérieux. Bon, bah, faut suivre celle-là. Hein. Si je suis celle-là et que je prends le petit là-bas. Ouais, je pense que c'est la meilleure des choses, ok. Je suis celle-là et je tourne sur celle-là. J'ai un petit peu abîmé ma voiture. Ok. C'est tout réparé. Non, c'est con, ça se passait super bien et tout. Ça se passait super bien. Ah, j'ai
J'arrive pas à ma voiture. Peut-être un petit peu trop abîmé aussi. C'est bon, il est clean. Il est comme neuf. On peut y aller. Non, c'est cool, ça se passait bien, mais. Et je prends taille par un endroit que je devrais pas. Ça passe. On est sur la bonne, hein. Ouais, on est sur la bonne route. Je me demande si. Ouais, j'espère qu'on va passer par là, hein. Sinon je suis baisé, je vais faire tout le tour là. Mais là, ouais, on est sur la bonne route, hein. Il suffit de suivre la grande route et. Tranquille, pour que de santé. Mais bon, on ne pas la grosse tête. Oh ta maman, il est touché. Ah ça me fait ça. Ah oh, ta maman, c'est deux. Oh non, ça va. Le madré. Attends, je suis perdu. Je dois à la droite ou pas? Ah, j'ai raté le. Et maintenant il pleut quoi. What the fuck? C'est soleil! Oh non, casse-toi! J'ai raté la route. Il y a des choses qui arrivent. Nouvel itinéraire. A droite. Je suis baisé en fait, non? Je vais peut-être tourner à droite, passer derrière. J'avais un chemin super magnifique. Allez ma belle, quelle suite, parfait. Non, je suis sûr que je suis sur la bonne route. Je
Ah, c'était de la merde. Ah, c'était pas là. Pas le temps de douter, pas le temps de douter. Tu peux sûrement aller en haut. Lapin, quand tu veux mon pote. Il y a une urgence. Les gars, vous êtes en vie? Merde, ils sont en dessous. Eh ben, merde. Amusez-vous bien. Ils sont en dessous? Il y avait une corde. Enfin, je dis pas qu'ils sont encore en dessous. Putain de bordel de merde. Hé, y'a quelqu'un ici? Frère! D'autres combats. D'autres morts. Je ne peux pas laisser faire. C'est vous? Où sont les sans-visages? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'entends votre voix dans ma tête? Enfant du soleil, Kyle. Il n'était rien avant l'épidémie. Une simple tradition à moitié oubliée. Une fois ancienne, elle disparut. Je suis fatiguée. Je porte ce titre depuis si longtemps. La mer. Il n'avait aucun sens. Et puis c'est devenu trop réel. Je pensais qu'il me respectait en tant que femme d'un colonel. Nous menions une vie agréable. L'épidémie, mon mari est venu me chercher. Nous n'avions aucune chance face à la horde. Nous étions mordus. Il est mort en sang, dans mes bras. Il m'a donné son étui à cigarette et m'a dit de fuir. Sauve mes clopes. Il ne voulait pas me blesser. Les adeptes m'ont emmené. Ils venaient pour leur mère. J'avais oublié que mon mari ne filait pas. Et puis, j'ai ouvert la boîte. Elle contenait une carte, une clé, et des chiffres inscrits sur un bout de papier.
Ça nous a menés ici. Les plus valides ont essayé de remettre le courant. Les autres sont allés chercher des médicaments. Enfin. Nous avons trouvé un conteneur verrouillé. Les chiffres étaient le code. Il contenait d'étranges fioles. Les autres m'ont regardé. Ça pouvait être un médicament. Ou bien du poison. J'ai senti que j'allais avoir une attaque. Me transformer. Alors, je me suis demandé pourquoi mon mari m'aurait guidée jusque-là. Je l'aimais. Je le croyais. Je me souviens du goût. Âpre. Aussi amer que du sang. Peut-être en était-ce. Je me suis réveillée, en bas, entourée par ce qu'il restait des gens qui m'avaient fait confiance. C'était à cause de la lumière. Quelqu'un avait pu rétablir le courant, et la lumière m'a ramené. Tu vois, respirer les vapeurs est une chose, mais boire le liquide, c'est tout autre chose. Sous la lumière, sous le soleil, mon esprit m'appartient. J'ai tant d'amour en moi que tu ne pourrais pas l'imaginer. Mais dans le noir, c'est ma nouvelle nature qui domine, sans âme, létale. Dans le noir, prise d'une passion cruelle, j'ai étriqué mes propres enfants. Mais je me suis jurée de devenir la mère qu'ils méritent vraiment. Et te voici, Kyle. Et tous les signes me portent à croire que tu es celui que j'attendais. C'est la prophétie, Kyle. Alors un homme apparaîtra, qui par un acte de sacrifice ultime, acceptera la clémence de la lumière. Non. Et le dieu du soleil apparaîtra à travers lui. Et il parlera à travers lui. Je veux juste un médicament pour sauver mes amis. Regarde mon visage. Il n'y a pas d'antidote. Tu veux que l'humanité devienne comme moi? Écoute ma voix. Tu parles d'une évolution. Tous les esprits connectés par un lien télépathique. Comme c'est beau. Regarde-moi. Et quand viendront les ténèbres? Alors quoi? D'autres morts? D'autres meurtres? Tu pourras te cacher, mais qui t'empêchera de trouver les autres? Il n'y a pas besoin de le boire. Juste les vapeurs. Qu'importe. Écoute-moi. Tu as respiré les vapeurs. Ce sera plus long, mais tu commences déjà à devenir un monstre comme moi. Non, attendez, écoutez. L'armée a prévu un garde-fou dans son expérience. Toute cette région peut être purifiée. La question est, es-tu prêt à sacrifier des milliers de vies, Kyle, dont la tienne? Merde! Alors, ça y est? C'est terminé? Putain, putain. Putain, d'accord. Tu réveilles le Je fais quoi du maintenant? Soleil. Suis-moi, Kyle. Alors, si votre dieu arrive, nous mourrons tous. Et l'épidémie, elle meurt avec nous? Cela a toujours été l'issue. Et il passera par les portes de la mort afin de pouvoir ramener la vie. Si ça tue l'épidémie... Merde, ça en vaut la peine. Cela dit, cet endroit me fait pas trop penser aux portes de la mort.
Un langage fleuri, n'est-ce pas? J'ai cherché des preuves, Kyle. La vérité dans nos traditions. Mais la mort d'Attila a brisé tous les espoirs. C'était ça la preuve. Que les miracles n'existent pas? Qu'est-ce qu'un miracle, Kyle? Devenir un rapace doué de conscience? Je ne suis qu'un monstre. Devenir un héros de l'apocalypse? Tu es la bonne personne au bon endroit. C'est donc ça, le garde-fou. Et pourquoi vous avez besoin de moi? La clé que mon mari m'a donnée était la bonne, mais pas les codes. Je sais que c'est le seul moyen, mais je ne sais comment faire. Les codes. Votre mari, il avait aussi un garde-fou. Il a laissé les codes à Attila pour pouvoir décider si vous seriez assez saine d'esprit pour prendre une décision. Attends. Tu as les codes? Attila pensait que tu serais meilleur juge? Dans ce cas, j'espère que tu me jugeras bien. Cessons cette folie, Kyle. Je t'en prie. Quoi? C'est tout? Ah putain, c'est pas la fin que je voulais. Enfin si, c'est celle que j'ai choisie, certes, mais... Mais je m'attendais à un peu plus de choses, quoi. Je veux pas recommencer la fin? Non. Bon bah j'ai tué tout le monde, mais on est tous en vie. Ok. Survécu. Ouais, je suis pas mort. C'est incroyable. Il est où Bilal? Où est-ce qu'elle est la putain de zone de départ? C'est là, je crois. Hein. Je crois que c'est là. Hein. Tiens, je me lave dans votre spot. Pas là du tout. Ah, c'est peut-être là. Putain, c'est où? Là? Non. Là? Non. Par là? Non. Non. Par là peut-être? Non, c'est là où je suis. Bah si, là, non, c'est par là. J'allais là. Mais moi je suis là. Bah
on a de la route à faire. C'était de la merde. C'était la mauvaise idée. Dans ma caisse. Ah merde! Ah bah j'ai rien vu. Oups. Oups. Zut alors. Zut alors. Et tu me dis que je finis le jeu sans toi? Bah ouais, c'était la fin du DLC. Il est fini le jeu, hein. Merde. Mais j'ai pas ma voiture du coup. Aïe aïe aïe. Oh ça va, je suis pas hyper bon non plus. Quand même. On peut peut-être aller chercher la voiture, faire machin. Bref. On va juste courir. L'enfoiré. Bah, il était fini le jeu. On devait faire le truc en solo hier, la cinématique en solo et tout. J'avais un peu d'extraordinaire. Je prends. C'est l'heure du duel. Ah ouais, c'est ça le fusil. Waouh. Super, merci. Va nous permettre de survivre quelques jours de plus. Bon bah voilà.
Bien, bon, peut-être faire un petit truc et tout. Pas avoir un stream trop court. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas quoi sert les hôtels. Personne disparu. Tiens, Ego, elle est là. Je sais pas ce que c'est. Allons-y. Superbe. Laisse-moi me barrer. Encore un truc, il y a un rond blanc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Yeah, niveau d'agi, c'est pour dire quoi? Fouiller une poubelle? On peut pas rentrer. Pourquoi il y a un rond blanc? Je ne sais pas. Ça ne doit plus être très frais. What? J'ai arrivé? Non, je parle. Nice, hop. Petite bouteille quand même, hein. La bibine avant tout. C'est bien sympa, ça a de la gueule. On n'a juste pas compris qu'on était venu explorer, mais. Encore cette planche. Ouais, en tout cas, un crasheur dégueulasse. Là. C'est les chiottes. Mais il n'y a que dalle. Peut-être une trappe que j'aurais ratée, un lion en dessous. Ils sont peut-être dans le camion. Personne disparu. Je ne comprends pas. D'habitude, ce petit marqueur là, ce petit machin, c'est pour dire zone inexplorée, mais ces mecs qui avaient disparu dans les shots, ça se saurait. Peut-être au fond. Non. En dessous peut-être. Faudrait que j'aille par l'eau. Un passage, une grotte. Ouais, j'y crois moyen. Il y a ce truc là. Bah non, je sais pas ce qu'il faut faire ici du coup. Je ne sais pas. Personne disparu, ouais, mais non. Peut-être les personnes que j'aurais dû sauver. On a un petit niveau ici. Grappin brutal.
ça peut être rigolo. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Genre, tellement de trucs inutiles. Ouais, non, j'ai peut-être raté un truc, un passage quelque part. Un passage secret. Y a des hôtels, je sais pas à quoi ça sert non plus. Des endroits que j'ai pas explorés. Je me demande si on peut pas revenir à la map numéro 1. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut relancer le jeu. Ouais, bon. Bah, je sais pas ce qu'il y a à faire ici. Peut-être faire un petit tour de la ville et arrêter là-dessus. Ça quoi, à ce point là me remercie pas, hein. Merci mec, les acolytes nous disent bien d'éviter cet endroit, mais franchement, pour trouver des marchandises, tiens, prends ça, j'aurais peut-être pas d'autre occasion de te remercier. Ouais, why not. Double tête, collate headshot. Thank you.
Oh, je suis pas glissé. Bah alors, c'est la poulade. Ah. Ça serait trop drôle si. Dis bien. Quoi ? Merci. Dis bien. Bitch. Putain, t'as une sale tête, toi. Une mauvaise journée, hein. Eh, tu mâches encore. Ça te la coupe, hein. Merde, je me suis bien amusé là. Il n'y avait pas d'autre endroit comme ça là où je peux m'amuser un petit peu. Hé, t'as glissé mon pote. Ah, t'as glissé toi aussi. Quoi? Le nom d'une pluie en feu. Je sais toujours pas comment ça marche, hein, le coup du grappin. Pour attirer le zombard ou je ne sais quoi. Toi, oh, toi, t'es vénère, toi. Oh, c'était facile, ça. Toi, viens là, femme. What? What? Merde, elle est morte. Par-dessus la troisième corde. Ah ouais. Ok, bon, il y avait un mec qui avait besoin d'aide. Allez hop. Ce fut rigolo. Ouais, ça manque un petit peu de course sur les toits, hein, le DLC. Ah non, c'est une caisse, c'est pas un... Putain, je passe dessus, comment ça? C'est pas un mec à aider, c'est une caisse. Ah bah, le temps que j'arrive, ça sera fini. Bon allez, tentons là quand même. Ma troisième jambe. Je te connais pas. Nope.
Non. Ouais, ça manque de courses et tout dans la ville et tout. C'est bien sympa hein, dans le... dans la campagne de courir sur les toits et tout. Là, la map, ouais, ils l'ont fait grande et tout, buggy et tout. En vrai, je m'en serais bien passé facilement. Mais bon, c'était quand même sympa. L'histoire, je la trouve sympa. Nom d'une queue en fond. Toi, Kenta ou quoi? En fait, je vais vous laisser vous amuser. On m'appelle ailleurs. Merde, c'est juste là, c'est juste à côté. La zone est dégagée pour le moment. Mais c'est que temporaire. Allez, Ah si, j'ai une dernière chose à faire avant d'arrêter de jouer. J'ai une dernière chose à faire. Une dernière. Bon, ils ont déjà pris la moitié du truc. Et une petite dernière avant. Pour avoir l'esprit tranquille. Retournons à la maison. Pendant qu'il s'amuse contre lui. Par contre, lui, on peut le ken. Pas un problème. Bougez pas, les gars, je reviens. Bougez pas, je reviens. Allez-y, amusez-vous encore un petit peu avec lui. Oui, t'as besoin d'aide. Ouais, j'ai entendu que t'as besoin d'aide. Ah, mais j'arrive, on bouge pas, hein, j'arrive. Déjà, ce qui aurait pu être sympa, c'était de jouer avec ça. Genre, jamais jouer avec cette arme. Ça aurait pu être sympa. Il faut que je teste autre chose. D'accord. Ouais, non, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le truc. C'est pas grave. Vite, 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 vite. Ça va faire boum. Vite. C'était pas là. Ok. Bon, l'arc, on peut le poser. Je joue plus tout avec. L'arbalète. L'arbalète, c'était cool, mais je joue pas non plus avec. On va garder l'autre. Lui, il a combien? C'est 0 dégâts. Machette, bat les couilles. Mitraillette, bat les couilles. Pioche, bat les couilles. Planche à clous, bat les couilles. Bouclier, bat les couilles. Mine, bat les couilles. Ok. Alors, déjà, on a ce katana qu'il faudrait, que j'aurais pu tester aussi. Mais on va tester. On va tester, on va tester. What? Ça m'a scroll. Ah, ça me scroll sur mon. D'accord. D'accord, ça scrolle sur mon autre écran aussi, c'est rigolo. Pas de problème. Celui-là, je crois. Ouais, pourquoi j'ai encore un fusil de police que je n'ai pas rangé, je l'ai pas vu. Combien? 184, 184, c'est les mêmes. Moi, encore plus de puissance quand même, hein, les fusils de police. Ok, nice. Maintenant, go. Allez, faire semblant de les aider. Ah, c'est ta maman des... poils sous les bras. C'est pas grave. Je l'en veux pas. Encore un petit peu que je teste cette arme. Derrière moi, j'avais un mur invisible dans le dos. Mouais, mouais, bon, je suis un peu déçu quand même. Ok, est-ce que les deux là-bas, je dois encore les aider ou le mastodonte, il a fait le ménage? Ah, j'ai que deux munitions? Sérieusement? Mais il est
j'ai que deux bastos. Il va falloir faire ça bien. Salut. Ah non, j'en ai 68 tout d'un coup. Ah ça, peut-être 70. Ouais, pourquoi c'était 0-0? Non, j'ai rêvé. Je sais pas. En effet, c'est... Et si vous preniez ça, c'est de notre part. Pour vous remercier. C'est efficace. Petite salope. Petite salope. Ah ouais, tu m'étonnes que Griffon s'amuse avec cette arme. C'est pédé. C'est trop facile. Aïe. Vraiment une arme petit zizi. Putain. Non, c'est pas de ce côté. What, parce que t'es bonhomme. Wouhou. Mouais, bon, ok, bon bah là-dessus, parfait, retournons à la maison et puis... Et puis je vais arrêter là pour ce DLC qui était sympathique. C'était rigolo. On aura testé le... Ça dit bien la durabilité. Le truc égyptien. Ah, on a débloqué ça ou pas? Non, toujours pas. Oho. Oho. Ouais, pas ouf, pas ouf. Ah mais, en deux. Il y a eu une petite erreur de touche. En plus, on lui livre la caisse. Allez, on est trop gentil. Parfait, bon. Merci. Et bah sur ce, je stoppe là-dessus pour Dying Light, vu que bah, j'ai fini. Vu que j'ai fini, quoique allons voir. Allons voir, mais normalement c'est fini. Je sais pas si vous voulez faire de beauté. Pardon. Merde, il y a une arme sympa à choper. Tout ça, j'ai... Ah, c'est vrai que j'ai pas fait trop les tableaux, les primes. Ok... Il y a un magnum. Ouais, ok, bon. Si je fais jouer, il me propose quoi? Campagne c'est fait, machin, zombie, ok, bref, bon bah c'est fini. Du coup bah, je relance tout de suite sur un petit je sais pas trop quoi, je vais voir. Du coup, à tout de suite.